Bah, l'année dernière. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, donc reprenons Domekeeper, toujours le laser, toujours le monstrifuge, toujours la difficulté maximale en carte petite, sans modificateur, nanana, boubou. Ça, je pourrais rien en faire de ce que j'allais ramener. Je suis content de pas être en retard. Pas trop en tout cas. On va se prendre un coup. Ça ira très bien comme ça. Ça suffit. Il suffit. Là, le compagnon, il peut pas activer le monstrifuge. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton là. Ça va être le carry tous les jours hein, si on arrive à carry tous les jours, je sais pas. Faut aussi augmenter le laser. Mais je crois que par en dessous du coup, pas trop sur les côtés. Pas relou du tout, hein. Moi je scanne à un endroit et après j'y vais pas.
Et on avait dit en bas. Ah, voilà, super. C'est vrai qu'il y a l'artefact que j'ai complètement oublié. On va faire des strats, genre là, c'est la relique qui carie les cubes, et donc du coup, on les relâche, et nous, on est plus ralenti. Ça, c'est des strats avancés. C'est vrai que j'avais dit pas sur les côtés, mais parce que je voulais absolument ce cube. Et on sait aussi que le téléporteur, faut l'améliorer au moins une fois pour qu'il soit rentable. Est-ce qu'on a l'eau suffisante? Non. La réponse est non. Donc, on peut faire le HP up et ensuite le Dorito, mais... Bâtard, ils se sont mis à tirer vraiment très tôt. Monstrifuge ou en vrai si on arrive avant on va prendre le monstrifuge qui ralentit là. Le truc pendant les combats. Et 2-1 de toute façon c'est ce qu'il faut pour améliorer le téléporteur. Donc c'est ok, on peut faire les deux. Ça et 4-2, shit. Bravo Connorman. Rentabilisation. De timer, moi je trouve que s'il s'auto-déclenchait ou si on pouvait le déclencher à distance, on aurait quand même, voilà, il aurait un quelconque intérêt, mais là, bien. On a un scanner. Hein. Ce serait sinon.
On se traîne le boule, c'est génial, loul, bouboulouloul, bili biboule. Oh mon dieu, les bijouis. Ah, les airs étourdissants. Ah. Ah oui, bon, on a de l'eau, mais. Peut-être l'amélioration où on balance tout dans le téléporteur, mais bon, du coup ça veut dire qu'il faudra quand même faire l'aller-retour, mais au moins là on aurait pu tout balancer dedans sans jamais revenir, et ensuite enfin, on fait qu'un seul aller et qu'un seul retour, quoi. Ça devient notre sacoche, mais déjà il faut de l'eau je crois pour avoir ça, chose que je n'ai pas. C'est 3. Si on a de l'eau, on a moult eau. Et on a une chose qu'on a, c'est de l'eau. Bon, il a fait le bon choix, le laser. Bon, par contre, il est nul, mais il a fait le bon choix. Tout le pan à droite là il est quand même assez solide, très friable hein. (4-4-2) la fameuse formation, mais non c'est passé en 5-4-2. On aurait peut-être dû améliorer l'autre. Quel enfer. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on a commencé à l'attendre, on peut juste l'attendre. On va pas se barrer, puis. Puis il va le voir se défaire juste derrière nous, va s'activer.
Bon. Pas ouf ce die non plus. On a moto, mais pas trop de fer. Faudra trouver de la moult fer là. Et après, on pourra augmenter notre ami. Si il était si bien ce dôme, on se serait peut-être pas obligé pour la nouille. Avec l'épée, ça, au final, ça passe aussi, hein, parfois. L'épée, c'est surtout qu'il a de la régène. Et après, bon, il y a l'amélioration de départ là où on a switché sur mon strifuge au lieu d'avoir le truc à bouclier. Mais autant l'épée. En plus, l'épée, c'est vraiment fort parce que dans le sens où il est capable de ne pas recevoir non plus de dégâts des projectiles. Ah ouais, mais le laser est capable de poke les oiseaux et du coup de les empêcher de tirer. Un peu à la GoldenEye 64. Où il faut poke les ennemis un par un pour les empêcher de tirer. Voilà, il y a trop de gens. Et là, de toute façon, si tu trouves pas de Dorito, ben, du coup, tu vas bien te faire voir en termes de soins. Parce qu'avec l'autre, au moins, ça aussi, par contre, on est complètement décalé à chaque coup d'un mystique. Ah ouais, non, mais ça vaut vraiment pas le coup de faire ça. Ce qui fait que dans l'autre, si tu peux utiliser du fer pour te soigner, certes, 6 de fer et 15 de fer ensuite, mais tu peux. Tandis que celui-là, t'es oublié, t'es condamné à trouver des Doritos. Si tu trouves pas de Doritos, c'est game over. Là, on va voir si c'est pas un Dorito qui est en bas. Ah bah. Non, un seul Dorito, c'est l'aventure. J'aurais dû en prendre plus. On a trouvé un nouvel endroit. Un spawn à la... Un endroit à Dorito. On a grillé le dernier carré parce qu'on était un petit peu en avance. Mais bon, alors du coup un seul Dorito, un seul soin. Va falloir je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 5 de fer. 5 de fer, bah on peut rien faire, 5 et 1, ça ne marche avec strictement rien, donc du coup on aurait dû vraiment bourrer les Doritos, là on a foiré un peu. Bah c'est parti pour serrer les fesses comme d'habitude et voir. C'est pas terrible, bleu bleu.
problème, c'est que sans la sonde, on est condamné à creuser dans le vide intersidéral. Alors certes, du coup, le laser étourdissant nous évite aussi de prendre un peu la max. Bon, le trou noir, enfin le téléporteur, ça sert strictement à rien au début de game. Bon, allez. De toute façon, never mind. On va s'arrêter là pour ce soir, pour Domekeeper en tout cas. Je pense qu'on s'y prend mal avec ce jeu. C'est juste que voilà. Il débloque la difficulté max très tôt dans le jeu. Mais non, pas bonne nuit. Ou toi, bonne nuit. Mais j'ai dit coach quotidien sur Twitch. Et on arrêtait Domekeeper. Mais du coup, oui, ouais, qu'est-ce que je disais, oui, donc par rapport à Domekeeper, donc le problème c'est que du coup, oui, on débloque la difficulté max très tôt, et du coup, on a envie de la prendre immédiatement. Mais si ça se trouve, en fait, ça ne marche pas, peut-être parce qu'il faut déjà débloquer de nouvelles capacités, de nouvelles zones, de nouveaux machins avec la difficulté moindre. Pour ensuite pouvoir gagner en difficulté max, je ne sais pas. En tout cas, on s'y prend sûrement mal parce que je comprends pas que ça puisse être ultra aussi difficile aussi au random, c'est-à-dire à la chance d'avoir des Doritos. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce jeu. Il est excellent, mais il est très frustrant, et ça c'est parce que aussi on s'engage dans la difficulté max, mais peut-être qu'on devrait faire que la difficulté du bas, mais qui est pour moi beaucoup trop simple. On l'a échoué une fois sur trois, alors que l'autre, bon certes, on a, du coup on n'a pas fait des masses, mais... Enfin, une fois sur trois, non, si on compte la démo un peu plus, mais maintenant qu'on maîtrise à peu près les arbres de compétences et tout ça, il y a moins de risques de défaite. Bon.